Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc nous allons procéder au deuxième tirage du jour. Donc des questions plutôt d'ordre sentimental. Voici le livre, vous avez la carte, le titre et l'intitulé. Pas l'intitulé, mais la signification. Voici les magnifiques cartes. Allez, c'est parti. Il y en a une qui est à l'envers là. Celle d'hier. Celle d'hier. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes. Je vais la lire et j'espère que ça vous donnera des indications. Numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Êtes prêts, vous avez choisi, on y va. Alors, 3, trahison, secret, déception. On commence bien. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il ne faut surtout pas que tu te butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et d'autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort. Réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Voilà. De toute façon, c'est comme ça la vie. Hein. On bute, faut accepter, puis faire autre chose. Séduction, tentation, flirt. Voilà, on est sur l'inverse. Hein. 42. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils le restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et ceux de ton cœur. Pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Carte numéro 3. Patience, assurance, charisme. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? 5, 5, 5, 5. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être assez en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme, le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi de l'attraction jouera en ta faveur la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Voilà. Faut pas trop attendre non plus, hein. Je
pas très patiente, ça doit être pour ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Salut, salut!